Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Deployment Automation. Je suis Zenat Nazaroudine, responsable marketing chez Microfocus. Ce webinaire sera animé par notre consultant expert Sylvain Buton. Et avant de démarrer ce webinaire, quelques informations pratiques. On va muter toutes les lignes pour assurer le confort des participants. Autre information à retenir également, vous pouvez poser toutes vos questions à tout moment dans le module questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous pouvez également télécharger les présentations slides ainsi que la documentation sur Deployment Automation dans le module Handout qui se trouve également en bas à droite de votre écran. Donc voilà, concernant l'agenda de ce webinaire, que va-t-on découvrir aujourd'hui? Eh bien, une présentation de la solution suivie d'une démonstration. Et on finira par les points clés à retenir ainsi qu'une session de questions-réponses à la fin. Donc, Sylvain, je te passe la main. Merci, Zenat. Bonjour à tous. Donc, je suis Sylvain Buton. Je suis solution architecte sur les solutions DevOps chez Microfocus. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de Deployment Automation, la solution pour automatiser vos déploiements applicatifs. Donc, que fait Deployment Automation? Il va déployer vos applications, qu'elles soient constituées de fichiers binaires, de fichiers plats, que ce soit des mises à jour de middleware, des changements de base de données, de la mise à jour de configuration. Toutes ces opérations peuvent être automatisées via Deployment Automation. Et on ne va pas faire qu'automatiser le déploiement de l'application, on va également automatiser le déploiement de l'infrastructure qui va supporter les applications que vous souhaitez déployer. Alors, comment vont s'effectuer ces opérations? Via du paramétrage de process de déploiement. Le process de déploiement, c'est une logique que vous allez implémenter et au travers de laquelle vous allez définir toutes les étapes élémentaires dont vous avez besoin pour déployer vos applications. Ces étapes élémentaires sont classiquement, par exemple, tester l'existence d'un service, le démarrer, le copier un fichier, déployer un conteneur, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du déploiement de l'application. Également, dans cette logique applicative, vous allez pouvoir coordonner le déploiement des différentes applications entre elles. Est-ce que vous souhaitez les déployer en parallèle, en série, s'arrêter si le déploiement de la première application échoue, etc. Donc, toute cette logique de déploiement, vous allez devoir la définir dans Deployment Automation. Évidemment, vous allez déployer sur des cibles. Ces cibles peuvent être donc des serveurs physiques, évidemment, mais également du serveur virtuel, dans des VMware, par exemple, ou dans le cloud d'Amazon, Azure, ou alors tout ce qui est dans du conteneur Docker par exemple, vous pouvez effectuer ces opérations via Deployment Automation. Alors là, on va parler évidemment du domaine DevOps dans lequel s'inscrit Deployment Automation, et Deployment Automation, évidemment, va vous permettre de réduire le time to market, ça veut dire être capable de pousser en production les changements qui ont été produits par vos équipes de développement. Réduire ce temps, ça va également vous permettre de réduire les risques avec Deployment Automation à travers des processus de déploiement que vous allez définir, qui vont être répétables, sécurisés. Donc évidemment, vous allez réduire tous les risques inhérents aux opérations manuelles de mise en production ou dans les environnements intermédiaires de vos applications. Évidemment, le but final étant de réduire les coûts de chacune de vos mises en production des différents applicatifs qui constituent votre patrimoine. La phrase d'accroche qui était notre slogan l'an passé, c'était « Move fast without breaking seas », ce qui signifie évidemment « déployer rapidement sans casser ce qui existe déjà ». Alors, si on rentre un peu plus en détail dans Deployment Automation, donc Deployment Automation est une solution de CI/CD, c'est un acronyme que l'on entend très souvent depuis quelques années. CI/CD signifie « Continuous Integration, Continuous Delivery ». Donc, Deployment Automation s'intègre dans ce secteur-ci. Donc, dans Deployment Automation, en entrée, on va avoir évidemment les changements qui ont été produits par les équipes de développement à pousser dans les différents environnements jusqu'à l'environnement de production. Évidemment, au niveau de ces versions d'applications qui vont être produites par les équipes de développement, elles vont être d'abord fabriquées au travers des plateformes de Continuous Integration, classiquement des plateformes comme Jenkins, qui est la solution la plus répandue sur le marché. Une fois que ces solutions vont être fabriquées, les différentes versions de l'application, elles vont être poussées dans les environnements de test.
Et donc là, sur ces environnements de test, on va avoir les équipes dédiées qui vont avoir fait un certain nombre d'opérations. On va parler également du continuous testing, hein, car le but final étant d'accélérer le time to market. Un des points clés pour l'accélération du time to market, c'est également d'automatiser les tests. Ce n'est pas que automatiser le déploiement en tant que tel, c'est également automatiser les tests. Et pour ça, Microfocus a également un certain nombre de solutions à vous proposer pour faire tout ce qui est continuous testing. On va s'intégrer donc dans quelque chose qui s'appelle le continuous delivery. Le continuous delivery, c'est la capacité que vous donne Diplomate Automation de déployer n'importe quelle application à n'importe quel moment sur n'importe quel environnement. Ça, c'est le continuous delivery. Et le Graal, c'est le continuous déploiement. Le continuous déploiement, c'est je déploie automatiquement d'environnement en environnement sans intervention humaine. Donc là, on est sur des process matures, évidemment, au sein de votre entreprise qui doivent vous permettre de tendre vers du continuous déploiement. Donc ça, c'est tout ce qui est partie applicative. Évidemment, en amont, pour déployer ces applications, il va falloir également déployer l'infrastructure qui va supporter ces applications. Diplomate Automation également vous permet de faire ce déploiement d'infrastructure. Le but final étant de faire du continuous everything sur la partie dev avec le continuous intégration, sur la partie opérationnelle avec le continuous delivery. Si on regarde un petit peu plus en détail comment fonctionne Diplomate Automation, donc Diplomate Automation est une solution qui vient avec une centaine de plugins à disposition. Là, il y en a quelques qui sont sur l'écran ici. Ces plugins vont vous permettre de vous interfacer avec votre écosystème déjà présent dans votre entreprise. Si vous êtes dans votre entreprise, vous déployez que sur du VMware, évidemment, nous fournissons des plugins pour s'interfacer avec du VMware. Sur la partie infrastructure, si vous êtes vous appliquez des configurations avec du Puppet ou du Chef, également, on fournit un certain nombre de plugins pour ces technologies-là. Après, tout ce qui est applicatif, on a du Tomcat, du WebSphere, du Docker, et puis évidemment une grosse partie testing qui est une des activités phares de Microfocus avec tout ce qui est les solutions historiques HP, LMQC, les solutions Microfocus Silk, et puis évidemment sur le CLI. Pour faire ce déploiement, évidemment, il faudra aller chercher les applications quelque part. Donc là, c'est ce qu'il y a en amont de ce slide. Et donc là, les applications, elles sont stockées dans des repositories d'artefacts. Ces repositories d'artefacts peuvent être classiquement du Git, du Nexus, du TFS, de tout ce que vous souhaitez. Donc également, on a des plugins pour aller récupérer ces versions d'applications que vous souhaitez déployer dans les environnements cibles. Je vais passer à la partie démonstration. Sur la partie démonstration, donc, j'ai une vidéo qui va vous permettre de la suivre. Je vais vous faire les commentaires en live de cette démonstration. Donc là, vous êtes connecté à Diplomate Automation. Dans Diplomate Automation, on est connecté ici sur une application qui s'appelle Ring to Park Online. Donc ça, c'est l'application que je souhaite déployer. Dans Diplomate Automation, vous définissez l'ensemble des applications que vous souhaitez déployer. Cette application a trois composants. Un composant base de données qui s'appelle Ring to Park DB, un composant middleware, un composant frontal web qui s'appelle Ring to Park Online. Cette application est candidate à être déployée dans trois environnements, intégration, UAT, production. Dans la partie basse, vous voyez pour chacun des trois composants de cette application, les versions qui sont déployées dans chacun des environnements. Par exemple, la partie base de données, on est en version 1.0.3 dans l'environnement d'intégration. La partie web, on est en 1.0.13. On déploie comment? Au travers de process. Donc là, vous pouvez définir pour cette application-là tous les process que vous souhaitez. Ça peut être des process de déploiement, des process de test, tout ce que vous avez besoin. Également un onglet story qui vous permet de récupérer, de visualiser tous les déploiements passés avec les logs associés. Donc tout ça est historisé, géré dans Diplomate Automation. Le but de ma démo, ça va être de mettre à disposition une nouvelle version d'une application qui s'appelle donc Ring2Park, qui est celle-ci, qui est une application web qui tourne sur un serveur JT. Et donc le but, ça va être de déployer une version sur cette application. Avant de déployer une nouvelle version sur cette application, je vais exécuter un test unitaire sur cette version d'application. Donc la version d'application qui est actuellement déployée, que je vous ai montré juste auparavant, c'est la version 1.0.13 que vous voyez ici. Donc là, c'est la version 1.0.13. Qu'est-ce que je vais faire sur cette version qui est déployée? Je vais juste exécuter des tests de non-régression. Pour l'instant, je ne déploie rien. J'ai un process qui s'appelle Run Regression Test, et j'exécute juste des tests de non-régression sur cette version. Pour exécuter ces tests de non-régression, dans le cadre de cette démo, j'utilise une solution Microfocus qui s'appelle Silk, qui permet de faire ces tests automatisés. Évidemment, on a interfacé également avec les solutions HP, la Microfocus, pour faire le même type d'opération. Donc là, il y a l'exécution d'une opération qui s'appelle Executable Plan, qui va exécuter le test automatisé sur cette version 13
de mon frontal web pour mon application Rink to Park. Que va faire le test automatisé? Il va lancer donc, le voici qui arrive, il lance automatiquement l'application, tout ça c'est en automatique, là je ne fais rien, il se connecte automatiquement, là on est toujours dans la partie test automatisé, on va mettre à jour des informations de l'utilisateur, et puis on va accéder à la page d'aide. Là ça va s'arrêter parce que le message que vous voyez là, Ring to Park is a very cool référence application, n'est pas le message qui a été défini dans les spécifications. Donc là, les tests automatisés, on va revenir dans Deployment Automation, vous allez voir que les tests automatisés vont sortir en erreur. Voilà, failed. Le fait de sortir en erreur, quand je vais revenir au niveau des process élémentaires, va ensuite automatiquement créer dans Jira un ticket d'anomalie. Donc là, c'est un process qui a été paramétré en amont, qui dit, je fais mes tests de non-régression, si ça se passe mal, je crée un ticket automatiquement dans Jira. Ça va permettre aux équipes de développement de se rendre compte que les tests effectués sur cet environnement d'intégration pour cette application n'est pas correct. Là, je suis dans Jira, je vois que le ticket a été créé aujourd'hui sur l'application Ring to Park Online avec un lien vers le log qui m'indique que le test automatisé se sont mal déroulés. Alors, si je veux regarder le détail du résultat de ces tests, hein, donc là, je reviens dans Deployment Automation, je reviens sur l'étape qui était en erreur. Et puis, ici, j'ai un lien qui me permet d'aller voir dans nos solutions cycle de tests automatisés. Dans la partie en bas à droite, là, vous voyez des top priorities. Donc, ça, ce sont des notifications mail hein, qui sont envoyées par Deployment Automation sur événements. Donc, là, je vous en montre une, une qui a été reçue à l'instant. Donc, là, on voit l'exécution du process que l'on vient de faire avec les différents statuts, les durées, l'accès au log. Donc, tout ça peut également s'envoyer par mail. Je ferme la parenthèse là, sur la partie notification mail et je reviens donc au détail de l'exécution en erreur de ce test automatisé. Là, je suis dans la solution qui s'appelle Silk Central, qui est une solution de test automatisé qui n'est pas le sujet de ce webinaire, donc je ne vais pas y passer longtemps. Je vous montre juste quelles sont les différentes étapes qui sont passées. On a vu qu'on a démarré l'application, quand on a fait le test automatisé, on a mis à jour le compte, et puis on a vérifié le message d'erreur. Et on a vu que le message d'erreur, c'était is a very cool référence application. Alors que le message attendu est celui-ci, is a reference application that simulates the online purchase and management of vehicle parking session. Donc là, c'était le message qui était attendu, c'est ce qui a fait que dans Deployment Automation, le test automatisé est sorti en erreur. Si je reste toujours dans Silk encore quelques secondes, je remonte au niveau du jeu de tests qui ont été utilisés pour ces tests automatisés. Là, je suis sur le jeu de test qui a été utilisé. Et au niveau des mots-clés, donc je vois, j'ai démarré l'application, je me suis connecté, j'ai vérifié l'aide, je me suis déconnecté. Et même dans Silk, ce qui va. Une possibilité, c'est de remonter jusqu'aux exigences émises par le métier. Donc là, dans ce cycle également, on va retrouver la partie exigence qui permet de faire le lien entre l'exigence, le jeu test, l'exécution du jeu test, et puis avec DA, le déploiement automatisé. Donc là, c'était juste pour vous illustrer une chaîne complète depuis exigence, jeu test, déploiement, exécution de ces jeux test. Je reviens maintenant dans mon scénario initial. Donc le développement a reçu un ticket Jira qui lui dit que les tests automatisés ne sont pas bons et qui donc, pour cette version 13, qui est ici en intégration, il va falloir qu'ils nous livrent un correctif. Donc là, je prends ma casquette de développeur et j'utilise donc un atelier logiciel qui s'appelle IntelliJ. Donc là, ça marche évidemment avec n'importe quel atelier logiciel, hein, de l'Eclipse, du Visual Studio, de ce que vous voulez. Là, je suis sur la page help.jsp, donc qui est la page qui n'était pas bonne. On voit ici le message Ring to Park qui est le véhicule de référence application. Donc en tant que développeur, je vais corriger cette anomalie. Et donc, je vais enlever le commentaire de la deuxième ligne parce que c'est ce message-là qui est attendu. Voilà, je suis développeur. J'ai corrigé ma page help.jsp. Je fais un commit dans mon outil de gestion de version. Donc là, pour la démo, c'est Subversion, mais ça peut être évidemment du Git, du Dimension CM, qui est un outil de gestion de configuration maison, ce que vous souhaitez. Le fait de faire ce commit dans mon atelier logiciel va automatiquement lancer un Jenkins qui va donc fabriquer automatiquement une nouvelle version de cette application Ring to Park. Ici, on voit dans Jenkins donc, que la fabrication s'est lancée automatiquement. Il a détecté qu'une modification avait été faite sur les sources. Que va faire Jenkins? Jenkins, évidemment, première chose, il va fabriquer une nouvelle version de cette application. Donc là, on va être sur une version 14. Deuxièmement, il va mettre à jour le ticket Jira. Et troisièmement, il va lancer automatiquement le déploiement dans Deployment Automation, dans l'environnement d'intégration de cette nouvelle version d'application. Donc là, Jenkins travaille, il est en train de faire la fabrication, le bill est en succès de cette nouvelle version. Ensuite, il met à jour Jira. Et enfin, il lance automatiquement le déploiement de cette nouvelle version qui a été livrée par le dev.
dans l'environnement d'intégration. Je reviens donc dans Diplomate Automation, je regarde ce qui est en cours. Donc là, ce qui est en cours, c'est ce qui a été lancé par Jenkins. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la version 1.0.14, c'est bien celle qui vient d'être produite à l'instant par les devs, est en cours de déploiement sur l'environnement d'intégration. Entre parenthèses, vous voyez que le process ici de déploiement n'est pas le même que j'utilisais tout à l'heure, parce que tout à l'heure, sur la première partie, j'ai juste exécuté un process qui faisait juste des tests unitaires. Là, j'exécute un autre process qui est, je pousse une nouvelle version de mon application, suivant ces étapes ici. Donc, première étape, je vérifie si le service est démarré, s'il est démarré, je l'arrête, je copie des fichiers, je redémarre les services, etc. Et ensuite, la deuxième étape, une fois que j'aurai fait ce deploy to Jetty, donc ce déploiement de cette nouvelle version d'application, je vais exécuter le Run Regression Pack, et l'étape 4 ici, qui va être le test automatisé unitaire que j'ai exécuté tout à l'heure sur la version 13. Si ça se passe mal, au niveau du paramétrage de mon processus, j'irai créer un nouveau ticket dans Jira. Là, ça va bien se passer, donc il ne va pas y avoir besoin d'aller créer ce nouveau ticket dans Jira. Donc, une fois que cette version va être déployée, donc là, ça y est, maintenant, on réexécute les tests automatisés, comme on l'a fait tout à l'heure. Sauf que si on est bien sur la version 14, et donc là, si on va aller voir le détail de l'exécution, on va retrouver les mêmes étapes que l'on a fait tout à l'heure lorsqu'on a fait ces tests de non-régression. Donc là, pareil, il va lancer automatiquement un browser Firefox, il va se connecter à l'application. Toujours en bas à droite, là, vous voyez, c'est des notifications mail qui partent. Il se reconnecte automatiquement à l'application. Il met à jour le compte. Et puis, il va aller sur la page dev. Et là, on va trouver la nouvelle version qui a été corrigée par le dev. Et donc, ce coup-ci, ça continue. Il peut faire un logout. Et le test automatisé a été succès. Il s'est déroulé jusqu'au bout. Donc là, ça veut dire que mon process de déploiement de la nouvelle version, plus les tests automatisés, se sont déroulés avec succès dans l'environnement d'intégration. Et que donc, maintenant, cette nouvelle version d'application, la 14, est candidate à être déployée dans les environnements qui vont suivre. Donc là, si je regarde ici, donc intégration en bas, donc il y a trois composantes, DB Middleware Web, on a modifié que le web, donc on est bien en version 14 sur l'environnement d'intégration. Si on regarde en UAT, on voit qu'on est en version 1.0.5. Et donc maintenant, le but, ça va être de déployer en UAT cette nouvelle version d'application. Alors pour ce faire, je vais créer un snapshot. Donc le snapshot, là, je vais le créer manuellement. Le snapshot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire une copie de ce qui est déployé pour cette application dans l'environnement d'intégration. Donc en fait, il va venir copier les versions des trois composants, le middleware, la base et le frontal web. Si je regarde ici le détail, donc je récupère ce qui est en intégration et je regarde maintenant ce que j'ai récupéré. Donc dans ce snapshot, j'ai la version 14, ça tombe bien, c'est celle que le dev vient de me donner. J'ai le middleware et j'ai la base de données. Chose importante ici, c'est le type. Full incrémental. Ça, c'est très important pour savoir pour que Diplomate Automation connaisse ce qu'il a à faire. Quand il fait du full, il va annuler et remplacer ce qui était déjà déployé. Quand il fait de l'incrémental, évidemment, il va jouer toutes les steps intermédiaires par rapport à la dernière fois où quelque chose a été déployé sur cet environnement. J'ai juste fait un snapshot. Maintenant, je vais déployer ce snapshot. La création de ce snapshot, je l'ai fait manuellement ici. On aurait très bien pu l'automatiser également comme faisant partie du process de déploiement. Donc là, le snapshot que je viens de créer, le 4, je déploie donc en UAT, les trois composants de mon application. Quand j'ai déployé en intégration, c'était Jenkins qui me l'a piloté. Là, je suis en UAT, c'est plus Jenkins qui me pilote, je le fais directement par l'application Diplomate Automation. La différence en UAT, c'est que j'ai un approval. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas déployer dans cet environnement. Donc, je vais avoir un approval qui va générer un envoi de notification mail ou alors directement, comme ici dans la démo, dans l'application, la possibilité de donner cet approval directement ici. Évidemment, j'ai toutes les cascades avec mon user, donc je m'autorise moi-même à lancer le déploiement. Et donc là, je déploie le snapshot que vous voyez en haut qui s'appelle Spring 04 sur l'environnement du AT. Je déploie les trois composants ce coup-ci. En intégration, j'avais déployé que la partie frontal web. Donc là, je déploie les trois composants. Je commence par la base de données. Vous avez vu que c'était en incrémental, donc il va déployer la version 1.1, 1.2, 1.3. Ensuite, quand ça sera terminé, il va déployer la partie middleware et puis la partie web, qui est la partie qu'on avait déjà déployée en intégration. Enfin, on va utiliser à nouveau des tests automatisés sur cet environnement du AT. Si ça se passe mal, dans mon process, j'ai défini que j'irai automatiquement créer des tickets Jira, si ça se passe mal pour le web, pour le middleware ou pour la partie frontale web et la partie base de données, pardon, je créerai des tickets Jira qui seront affectés à des équipes différentes, potentiellement, suivant votre organisation. Dans le déploiement qui est en cours, vous voyez que c'est séquentiel. Il fait d'abord la base, puis le middleware, puis le web. Évidemment, c'est nous qu'on a défini ce process. On peut très bien imaginer faire les trois en parallèle, la database, le middleware
et le frontal web. Ou faire d'abord la base de données et ensuite en série le middleware et le frontal web qui, eux, seraient faits de façon parallèle. Donc tout ça, c'est vous qui définissez toutes les étapes élémentaires dont vous avez besoin. Donc là, il a fini la partie base de données, la partie middleware, il attaque le frontal web sur l'environnement du hacker. Toutes ces étapes de définition des process se font de façon graphique. Je ne vais pas vous le montrer dans ce webinaire, du temps un peu court que nous avons à disposition, mais tous ces paramétrages de process se font de façon graphique. Vous faites une sélection des étapes dont vous avez besoin dans une bibliothèque de plugins, une centaine de plugins à disposition, et vous construisez vos process de déploiement. Évidemment, quand vous construisez ces process de déploiement dans votre entreprise, potentiellement, ça va être les mêmes que vous allez devoir utiliser pour des dizaines d'applications. Donc, on a également un mécanisme de template qui vous permet de définir un template qui va être réutilisé par l'ensemble des applications. Là, je suis donc sur le déploiement de la partie web. Vous voyez qu'il y a une étape qui est en fail. Donc là, il a vérifié si un service était running. Donc c'était fail, c'est-à-dire que le service était arrêté. Sur du fail, on peut définir si on souhaite arrêter complètement le déploiement ou si c'est juste une petite information que l'on peut continuer. Donc là, le déploiement est fini des trois tiers. Et maintenant, il attaque la partie exécution des tests automatisés sur l'environnement du AT. Donc là, il va réexécuter automatiquement ces tests via, donc c'est du Silk qui pilote tout ça, notre solution de tests automatisés, qui va piloter ça, donc il réexécute les tests, il va vérifier le message d'aide, il est bon, il se termine. Donc là, les tests automatisés se sont terminés avec un succès. Et donc le traitement va être en succès une fois que Diplomate Automation aura récupéré la main. Toujours les notifications en bas à droite qui sont envoyées sur événement en fonction de ce que vous aurez, de ce que vous aurez paramétré. Donc maintenant, si on revient au niveau de l'application et des environnements, on va constater que pour l'UAT, donc ce coup-ci, en UAT, on a bien la version 1.0.14 qui a été déployée via le snapshot 0.0.4 avec les trois composants dedans. On aurait pu faire la même chose pour la production. Bon, je ne vais pas le faire parce que ça n'a pas grand intérêt. Hein, c'est la même logique. Et puis, une chose importante à voir ici au niveau de la production, par exemple, c'est la notion de compliance. Quand on est en production, on peut imaginer qu'on ait trois serveurs derrière sur lesquels il faut déployer la même version d'application. La notion de compliance ici vous indique qu'en fait, uniquement un des trois serveurs est à jour avec la version 1.0.5 que vous voyez ici. Donc, cette notion-là qui est très importante d'inventory de ce que vous avez pour chacun des environnements, pour chacune des applications. Si je vais zoomer sur mon composant que je viens de déployer, donc c'est mon composant web, ici je retrouve toutes les versions de ce composant qui sont historisées dans Diplomate Automation. La 13, c'était les tests automatisés sur lesquels ça s'est mal passé. Et la 14, c'était la nouvelle version qui a été produite par les développements et qu'on vient de tester. Donc là, on voit qu'il y a un statut. Donc on voit que la 14 est pour l'instant en succès, en UAT. Également, on peut retrouver ici les fichiers qui ont servi, qui ont été produits par le dev et qui ont été récupérés dans une version dans le cadre de ma démo. On peut également les downloader si besoin, qui sont présentés ici. Pour terminer cette partie démonstration, on est capable par environnement, via l'inventaire, de vous dire toutes les applications et leurs composants, les versions dans lesquelles ils y sont déployés. Donc là, on voit que pour la version 1 point, en production, c'est la version 1.3 du frontal web qui est déployée. Donc ça, c'est la notion d'inventaire qui est très importante pour savoir ce que vous avez déployé. Évidemment, quand vous allez déployer sur chacun des environnements, vous allez devoir jouer avec des jeux de paramètres. Donc ici, dans Configuration, c'est là que vous gérez l'ensemble de tous vos paramètres pour toutes vos applications qui sont définies à ce niveau-là. On peut définir des paramètres au niveau des environnements, au niveau des applications, au niveau des composants, au niveau des process, au niveau des serveurs Diplomate Automation. Il y a énormément d'endroits où on peut définir des propriétés et ces propriétés ensuite sont utilisées lorsque vous définissez votre logique de déploiement. Pour terminer, un petit zoom sur les reports. Donc ici, vous avez tout ce qui est timeline qui vous indique le statut des déploiements passés. Également, vous pouvez planifier les déploiements futurs et définir des périodes de gel qui interdit tout déploiement sur toute ou partie de vos environnements. Également, dans le module inventaire, on va retrouver pour chacune de vos applications ici les environnements concernés et les versions des applications qui y sont déployées. Et puis, un certain nombre de jeux de rapport sur tout ce qui est temps moyen de déploiement, temps total de déploiement, nombre de déploiements en erreur, donc un module de reporting qui vous permet d'accéder à l'information.
Si je reviens donc sur le slideshow, pour les points à retenir de ce que je vous ai dit. Donc, Diplomate Automation, c'est une application, c'est une solution qui est application-centrique et donc qui vous permet de définir vos process de déploiement par application. Également, vous pouvez coordonner le déploiement de ces applications entre elles, évidemment. Donc, c'est un modèle application-centrique qui vous permet de définir via graphiquement les étapes élémentaires de déploiement. Qualité, prédictibilité, les process, évidemment, comme vous les avez paramétrés dans Diplomate Automation, ils sont répétables à tout moment et vous êtes capable de retrouver un process que vous avez utilisé il y a 6 mois. Vous êtes capable de retrouver tous les paramètres que vous avez utilisés à l'époque, les différentes étapes que vous avez passées, les logs associés. Tout ça parce que dans Diplomate Automation, tout est versionné. Que ce soit évidemment les versions d'application que vous déployez, mais également les versions des process que vous utilisez. Planification, je vous l'ai montré à travers du module de reporting, vous pouvez voir coordonner les déploiements des différentes applications et faire en sorte que vous ne déployez pas, par exemple, en production le même jour des applications importantes. Au niveau architecture, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais la solution est hautement scalable, donc évidemment, est capable en dynamiquement de détecter que, par exemple, en production, vous avez ajouté des serveurs et qu'il faut déployer sur ces nouveaux serveurs l'application X de façon automatique. Donc ça, c'est capable, Diplomate Automation fournit cette capacité-là. Flexibilité, donc tous les paramètres peuvent être définis par application, par environnement, comme je l'ai déjà dit. Traçabilité, évidemment, une solution de déploiement doit vous fournir de la traçabilité, en vous indiquant clairement quelle version d'application vous êtes en train de déployer, où est-ce que vous avez été la chercher, donc dans quel repository d'artefacts vous avez été la chercher, la versionning des process, la versionning des paramètres, l'historisation des logs qui sont accessibles à tout le moment, et puis évidemment le module de reporting. Sécurité, très très important lorsqu'on fait du déploiement, de ne pas donner les droits à tous les personnes sur tous les environnements et toutes les applications, donc une sécurité très fine par application, par environnement, par process. Et puis full stack déploiement, évidemment, on déploie l'application, mais on déploie également tout ce qui est l'infrastructure liée à ces applications. Et ces applications peuvent être déployées du coup dans un environnement physique, virtuel, cloud ou conteneur. En bas à droite, je vous ai mis quelques références. Et ça va être tout pour ma partie. Zinat, avons-nous quelques questions? Alors, quelques questions sur la chatroom. N'hésitez pas à les poser. Vous pouvez également télécharger les présents slides et documentation dans notre handout. Donc, première question sur la chatroom. Comment fonctionne le système de licence? Alors, le système de licence n'est pas par utilisateur, il est par endpoint. Donc, vous pouvez connecter autant de personnes que vous souhaitez. Par contre, ce qui prend en compte dans la licence, c'est le nombre de serveurs sites sur lesquels vous allez exécuter les déploiements. Donc, si en production, vous avez 5 serveurs de prod pour l'application X, ça va vous coûter 5 licences, plus 5 autres serveurs pour l'application Y, ça va vous coûter 10 licences. Donc, c'est par endpoint, serveur cible d'exécution des déploiements, que ce soit virtuel ou physique. Merci Sylvain. Deuxième question, peut-on développer ses propres plugins? Oui, donc Diplomate Automation vient avec une centaine de plugins nativement. Donc, ça, c'est inclus dans le prix de la licence. Vous ne payez pas des plugins en plus lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez y accéder sur notre site du support et les télécharger à loisir. Et ces plugins sont ouverts. Ils sont développés en technologie Java, les natifs, Groovy. Donc, vous pouvez modifier les plugins existants. Et puis, vous pouvez évidemment créer vos propres plugins si vous le souhaitez, en Groovy ou à une autre technologie. On fournit des guides qui vous permettent de développer vos propres plugins. Une dernière question, comment gérez-vous le déploiement? Alors, tout ce qui est en zone dématérialisée DMZ, donc la problématique, c'est les firewalls qui, suivant votre organisation, vont interdire les accès depuis une zone de votre infrastructure réseau à une autre zone. Pour ce faire, on a deux mécanismes. Soit on a un mécanisme d'agent relais qui vous permet d'ouvrir dans cette DMZ une connexion entre deux zones réseau. Et vous définissez dans cet agent relais dans quel sens vous autorisez le lien, de la zone non sécurisée vers la zone sécurisée ou de la zone sécurisée vers la zone non sécurisée. Donc là, ça vous demande d'ouvrir un firewall dans un port dans votre firewall pour faire communiquer ces deux zones. Ça, c'est la première façon de faire. Et la deuxième façon de faire que l'on propose, c'est qu'on a des clients où même ceci n'est pas possible. À ce moment-là, on a un mécanisme de réplication qui vous permet d'installer un serveur Diplomate Automation dans vos deux zones et grâce à des fonctionnalités d'import-export. Vous pouvez importer et exporter la version d'application que vous souhaitez déployer, les process qui ont été définis entre ces deux serveurs DA.
Ça, c'est un key différenciateur avec nos principaux concurrents sur le marché, cette fonction de réplication. Voilà, Zinat. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Sylvain. Merci Sylvain. à tous pour votre participation. Très bon après-midi. N'hésitez pas à N'hésitez pas télécharger à la présentation télécharger des slides et de les répondre au slides formulaire de satisfaction qui va et s'afficher juste après le webinaire. de Merci. répondre Très bon aux après-midi. À questions qui bientôt. va Au s'afficher revoir. juste après le webinaire. Merci. Merci à vous, au revoir.